Rebonjour YouTube. C'est tout de suite très très vite. On part faire une mission du jeu. Mission jaune, mission qui permet de faire continuer l'histoire. Un peu. Ah, et même pas avec la vaseline. Tout de suite le sable de rivière. Ah. Come on. Mr. Morgan, I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game! Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They are children of God. Si c'est du poker. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Mais je veux pas jouer, en fait. La réalité, c'est pas du Gwyn, c'est que c'est du poker. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun, but I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend, let's get you home. Where'd he go? I don't know. I was talking to you. Gentlemen. Oh, no, Reverend! No. Reverend Swanson! Where'd you go? Hey, you! Have you seen a priest? What's your problem? Have you seen a priest all drunk and crazy? Leave me alone. Don't make me shoot you. Shoot me? Why would you shoot me? Have you seen a priest? Yes, he went that way. C'est bon? Angry jackass. Bah ouais. Ton hungry jackass, il va s'occuper de ta gueule, ok? Allez. C'est pas mon cheval, ça, si. Ah, si. Hey! Hey! Calm down! Get your hands off him! What did you say to me? I didn't say a word! You... Pete! You stay out of it! Get your hands off him now, you son of a bitch! I'll kill you both! Oh, you're done now. Come on! Oh my god, I killed him! I'm gonna get the law on you! Oh là là! Mais non, tu vas rien faire du tout. Hey, you, get back here. Allez, viens là, toi. You better stop right there. Stay away from me. Stop, you son of a bitch. Stop, or I'll kill you. I swear. I said stop, damn it. Okay, okay. Tell anyone what you saw back there. You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Allez, dégage. Get the hell out of here. It's the last thing ever happened. Okay. Now what? Where's Reverend? Qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Mais oh là là. Have you lost your mind? Oh là là, mais...
Ah, le révérend, je vais m'en occuper du révérend. Hein. Je vais me le faire, ce révérend. Come on, a friend. It's just a simple mistake. You can still be saved. Mais il s'est bloqué, ce débile. What have you done with your foot? It appears to like this place and wants to stay. Get your foot out of here! Twist your leg, you drunken bastard! Help! Allez. Get it! Come on! Eh ben, il est fou. Hein. Ils sont fous, ces prêtres. C'est moi qui vous le dis. Hein. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. La. Home. La. Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... Ah là là. Arthur, c'est celui qui ne boit pas. Allez. Boy. On retourne au camp. Allez, c'est parti. Un petit bout de chemin, mais bon. On y va, tranquillement. C'est le plus important. Y aller tranquillement. Ah là là. Ouais, c'est vrai que j'ai aussi le cheval sauvage que... On y va tranquillement. C'est parti. Eh ben on y est. Oui, je vais attacher mon cheval à côté du... Ah du coup il est devenu chaud. Allez révérend. Ah il est aux ailleurs. Avec moi, révérend. Vous êtes bourré, révérend. I was wondering when he'd show up. Allez, coucou panier, révérend. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Il faut encore que je continue à l'histoire. Je peux pas encore améliorer le camp. Je peux contribuer, mais pas encore améliorer le camp. On va donner un objet. On va donner le porte-mine. Oh, 10$ le stylo plume. Pearson, tu peux discuter, mon ami? Hey. Hello, Arthur. Amélioration d'artisanat. I'm very happy to make you something if you bring me the right materials. Who makes this crap up? Why are we having a war with the goddamn Philippines? Who cares about the Philippines? What even are the... Ah, il y a plein de saccages en fait. Just a
Ah, intéressant. Ah, si je tue un alligator, je peux avoir un crâne d'alligator. Le mouflon. Ouais, il faut que je bute un mouflon. Travailleur du cuir. Ok, aussi du cuir. Et ça, c'est du bœuf. Oh, intéressant. John, qu'est-ce qu'il faut? Juste un sanglier. Pour lui donner un tapis en peau de sanglier. Le camp. Ah, une nappe. Acheter les outils de travail du cuir, d'accord. Une antilope. Faites quoi principal? Ok, buter un orignal. Buter un loup. Une fourrure de cuir. Waouh, ouais. Du loup et de la vache. D'accord. Des chèvres, du wapiti et du bois de cire. Oui. On pourrait. Fine, but make sure you get a good price for it. Well, I'll take what I can. On va tout donner pour l'instant. Just make sure it goes into the pot and not your pocket. Non, mais je suis content. Ouais, je pourrais me faire ça. Du coup, il faut juste. Elle fera. Oh, Kieran! Good evening, Arthur. Please. You got some speaking to do of your own. Not that old gang of yours. I said. I told you. I don't know nothing. That's what I thought. Whoa! Hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Allez, cette petite mission-là. Et après, on s'en occupe. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. But you sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Combe? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Allez, c'est parti. Okay. Là, c'est vrai qu'on est dans le camp. Et dans le camp, ils ont. Saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say, I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like. God damn.
You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dud said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Oui, en effet. On était dur à cuire. Non, mais bon. Attends, deux secondes. Il manque un truc, là. Je mange mon chapeau. That different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and you've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls, but maybe I know more about you than you know about them, and I know all about them. So tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Vu que le jeu, comment dire? All right, then. Comment expliquer ce que je veux dire? Vu que le jeu est très grand, quand je dis très grand, c'est pas un euphémisme, c'est qu'il est très grand. C'est même un euphémisme, parce qu'il est très grand. Et que tu dois faire des longues distances, il faut beaucoup, beaucoup de longueur. Avec des paroles. Avec des discussions, ils font énormément de longueur. Du coup, il y a beaucoup de longueur dans les discussions. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Et du coup, il y a pas la radio. Bah non, du coup. Du coup, vu que t'as pas la radio, ils ajoutent beaucoup de phases de discussion avec avec les personnages, en racontant un peu l'histoire. It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now, come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Just ouais, mais le problème, c'est... Okay. Tu peux pas trop faire ça. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin.
be passed out booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fellow that's gonna be the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. I'm gonna deal with this first fella. Okay. Go to work. Alors, grosso modo, pour t'expliquer, Hope. Pour t'expliquer, Hope, en fait, je sais pas si tu te souviens, on a une querelle avec un autre groupe qui. Les O'Driscoll. Et au début du jour, on en a capturé un, Kieran. Et là, il nous a envoyé au niveau d'un camp des O'Driscoll pour leur détruire leur gueule. What's the plan? We're waiting. Let's get close to these two. Make no mistakes here. That's what the knife's for. When we're there, we move at the same time. Hurry up already. This is what I... Voilà. Et du coup, là, c'est une mission mi-infiltration, mi-leur péter les genoux. He better be. Arthur, tell her on the log. What are we doing about him? Take him quiet, Marston. Okay. Get your hands dirty for a change. Voilà. Et donc, c'est l'infiltration. Là, j'envoie mes potes les tuer parfois. Jesus. Okay. Now what? We're at the perimeter. Time to move on them. You ready? They'll ever be. Let's go. How you doing, O'Driscolls? Glad to see ya. It's on. We move quick. We move. Oh, j'ai essayé. Come on there. Come on. You're worthless. Go hide. It's Fingerlings, boys. We got him. Close in. Back to the cabin. Let's make a stay. We catch you unawares. Ah, allez. Come at me, you Irish bastards. Running high. You know what's good for you. Allez. Lui, il a pris sa flèche en bonne et due forme. Ah merde, c'est putain, j'avais oublié que ça prenait tellement de... Attends, mais là il se retourne le petit sur la gueule. Eh ben... Oh, ce soir, c'est... Ce soir, je sais pas... Vivre sous les couvertures du Brésil, entre Cuba et Manille. Ouh, ce soir, c'est compliqué. Oh.
Sure. Thank Merci, you. Kieran. Come on, Driscoll. He ain't here. Il est pas là. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then. Go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. Voilà. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. On fait cette mission, quelques petits papillonnages, on discute tranquillement, mais pour l'instant, on prend de l'argent tranquillement et on termine cette mission, quelques trucs, et après on se dira au revoir en bonne et due forme. Là, moi, juste, je pille tout ce que je peux piller ici, parce que de toute façon, il n'y aura pas grand chose à. Voilà, on prend tout ce qu'il faut prendre. Oh, encore de l'argent. On fouille la boîte de... j'allais dire la boîte de nuit. La table de nuit. Sinon ça va, Hop? T'as passé une bonne journée? Oh par contre, oula! La carabine! Ah! Entretenez le fusil. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le nettoyer. Oh, waouh! Stylé! On va fouiller la cheminée. Il doit y avoir l'argent. At least you got something tucked away. Ah ouais, mais il avait pas planqué un peu. Il avait pas planqué un tout petit peu, quoi. Attends, mais... Oh, ça, il y a encore de l'argent par terre. Ah. Il est pas planqué. Qu'il est gentil, il nettoie. Même le fusil des gens. Alors. Alors. Oui, mais c'est mon fusil maintenant. Le fusil des gens. Bon, faut pas baiser non plus. Faut pas pousser mes mains dans les orties, quoi. On va aller faire la petite mission là-haut. On va aller voir Flaco. Hernandez. Pour continuer la mission des Gunslayers, là. Ouh. Oh, il a morflé le lapin. J'ai pas laissé le temps de réfléchir. Juste eu le temps de crever. Pas comprendre ce qui lui est arrivé. Certains diraient le pauvre lapin. Moi je dis. Il avait qu'à pas être sur mon chemin.
fume-moi un bon gros cigare. Et... Allez, on continue de se balader. Je me balade, et nous nous baladons. Et pourquoi le jeu me dit d'aller par là? Ah, c'est pour passer la rivière. Hey, you! What are you doing back here? Ain't you caused enough trouble? Huh? Beating up half the saloon like that? Near killing Tommy out in the street. Become funny since then. Come on, there's gotta be a fight every night in that shithole. Just show some respect next time. We've run far worse than you out of town before. Nick. Oh là là, un trou paumé de consanguin. Non! On n'est pas encore chez les plus consanguins des consanguins. Alors, me dis pas que je peux pas. Why don't you get gone while you still can? You got a problem, friend? You got a problem with me? Non mais j'ai aucun problème avec vous les gars. Bah si, mais non. Il y a des seigneurs de la France. Ouais, il faut y en a un moment. Enfin, il y en a, oui et non. Oui. T'avais pas vu qu'il y avait un gros dénivelé. Du coup, un peu de montagne. Laisse-moi étudier le renard. J'ai étudié le renard. J'ai écrasé le renard. Il aura pas le fromage du corbeau cette fois. Oh, le passage de train qu'on entend à 6 km. Il aura pas... Ah mais on remonte dans les montagnes. On retrouve la neige. Ça fait voir les... J'en suis à où du journal. Non, c'est pas ça que je... Ah c'est elle le journal. Ah mais il faut que je ramasse des mille feuilles, d'accord. J'avais pas compris ça. Ah. Ah, ça se trouve facilement. Ça se trouve facilement, ça. Vers là où je suis. D'accord. Ouais, j'essaie un peu de faire les défis que le jeu propose. Pour être un peu... on va pas dire pas à la bourre, mais... Ah oui, mais j'ai pas de vêtements chauds. T'as fait de tenue chaude. Là c'est pas grave, on aura froid. On redescendra vite dans les montagnes. Mais c'est... J'avais totalement oublié que c'était vraiment... Ouais, que, en fait, la zone du nord, on était dans les montagnes, quoi. C'est magnifique, par contre. Ça, on peut pas le... T'as rien pour mon cheval? Mais si, j'ai de l'avoine. It's okay, boy. Et le lac, il est pas gelé? Oh, stylé de fou par contre ça. Ah
Ah, mais c'est parce qu'on est dans le froid. Go easy, boy. Non, aussi parce que j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai... En fait, je suis rarement parti explorer cette zone de la map. Je vais pas mentir, hein. J'ai rarement exploré les zones de la map, cette zone de la map notamment. Ah ouais, mais je m'y attendais. Ouais, mais c'est incroyable. Bon, par contre, faudra du coup que je pense à me faire une tenue d'hiver pour plus explorer cette zone-là, parce que c'est vrai que elle est belle, mais bon, bah... Yep. It's purple, horsing and water, d'accord. J'ai pas forcément la référence, mais je me doute que c'est une musique, mais... Et oui, j'avais... En fait, je tiens à vous le dire, hein. Je sais très bien que l'Orof... Ah, smoking and... D'accord. Ah oui, j'avais pas compris. Je pensais que c'était vraiment une vraie musique. Et là, je suis content de refaire le jeu une deuxième fois. Et un peu plus m'appliquer à le faire. C'est-à-dire un peu plus papillonner que faire l'histoire pour un peu rallonger le jeu et surtout pour pouvoir discuter avec vous. Et ouais, j'avais jamais pris en compte que ouais, du coup, que toute cette zone là du jeu, c'était vraiment la montagne, la neige. On prend jamais le temps de re-explorer quand on quitte la neige, alors qu'en fait c'est ultra stylé. Je suis en train de me dire que j'ai fait une erreur monumentale en y allant, mais... Enfin, pas une erreur monumentale, mais... Il est où encore, lui? Oh, mais il est super loin. Ah oui, non, si, j'ai fait une petite erreur quand même en y allant. J'ai pas pris en compte que c'était super... Ah oui, il est pas si loin, mais... Mais voilà. Qu'est-ce que c'est? There we go. Je veux l'étudier. Laisse-moi t'étudier. Il est super résistant, ce mouflon. Allez, tu viens avec moi, toi. Allez. Quand il veut, il meurt. Exactement. Yep. C'est exactement ça. Quand je vous ai dit que qu'on allait chasser ensemble, je vous ai pas menti, hein. Je vous ai dit, là, il y aura des moments où on fera pas l'histoire, on ira juste chasser. Bah, c'est exactement ce que c'est exactement ça dont je parlais. Quand je parlais d'être un peu plus calme dans la chasse. C'est-à-dire être un peu plus discret, appâté... C'est vrai que j'y suis allé à l'arc comme un bourrin et pour juste... Oh non, le loup. Oh non, le loup. J'ai entendu un loup. Passer par là. Tout ça parce qu'il y a un type, il a fait une retraite... Il est en train de taper sa meilleure retraite méditative en haut.
dans les montagnes là. Ah bah enfin on arrive. Il est en train de taper sa meilleure retraite méditative, le boug. Ah bah enfin. Ah oui. Messieurs. Oh, you were there. We're only going to find trouble here. I don't mean no harm, okay? Just want to speak to Hernandez. We don't take to visitors up here. Kill this fool. Il t'a trop cru, toi. Il m'a dit m'ont défoncé la gueule en un coup. Et c'est quoi ce shoot de poney que j'ai aujourd'hui là? C'est dingue. Mais punaise. Oh. Ah bah oui, mais sachant que je suis dans le froid. Ah mais ils vont me... Ça va être la mission de l'enfer. J'ai pas de tenue froide, donc c'est l'enfer. Ah j'ai toujours mon mouflon, ça c'est bien. Le canon, hein. Allez. Non, mais là il cherche pas du tout à être discret. Hein. Enfin, si et non. Flaco. Elicio. Flaco Hernandez, you in there? I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you about Boy Calloway. Put your weapons away and I'll come out. I'm unarmed. Well, I just want to talk about Boy Calloway. Sure. Here's your message.
T'as raté la cabane cette fois. Ouais, cette fois j'ai raté la cabane. Mais il... Oh, t'as... Il est mort. Par contre, est-ce que je peux récupérer, genre, tes vêtements? Non. Bizarre. Ah, mais attends, mais où? Je fouille pas les cabanes, moi. Ouh, il y a des trucs qui se perdent. Juste un bourbon. Ah non, il y a un peu d'argent quand même. Non, c'est des cigarettes. Ah, mais il y a un coffre. Avec une carte. Carte au trésor. Un arbre. Ça va m'aider. Bizarre. Let's go, boy. Boy. Yeah. Boy. Bon alors, tiens, on va aller au camp, on va rentrer au camp, on va, petite exploration, on va rentrer au camp. Et on se dira au revoir à ce moment-là, mais on va déjà rentrer au camp. Ce qui va nous prendre une petite rando, hein. Tiens, avec... On va rentrer à Caen. Ouais, en effet. Ah non, c'est un mouflon. Je suis avec la... Avec leur... Leur ami sur le dos, là. En espérant pouvoir quitter la neige assez rapidement, là. J'avais pas prévu qu'on aille si loin en fait. Ça va être très lent, surtout avec avec le mouflon sur le dos. Non, oui. Il y avait un truc avec le mouflon, mais je me souviens plus quoi, si c'était son crâne ou si c'était une peau. Bizarre le sujet. Mais je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à. Si vous voulez. Alors, je. Crâne, je crois. Ouais, c'était le crâne. Après, on va revenir par là parce qu'il y a d'autres bêtes, genre des cerfs ou des chevreuils, et ça, c'est intéressant. Intéressant dans la costume. Customisation du camp, chose que je n'avais pas faite. J'avais pas. Oh, mais punaise, mais. Heureusement, j'ai des galettes d'avoine. Hein. Oh, fragile Tennessee là. Chose que j'ai. Pour le haut de la tente. Ah, oui, c'est ça. Chose que j'avais pas faite au. Sur ma première partie. Parce que je m'étais pas intéressé aux cosmétiques. Moi, je voulais faire l'histoire. Donc, je voulais connaître l'histoire, m'amuser, tout ça. Et je m'étais pas intéressé au camp, outre amélioration que ça proposait. Je m'étais surtout intéressé aux améliorations. Et pas aux cosmétiques que tu peux faire avec Pearson en mettant un crâne, tout ça. Donc cette fois-ci je le fais parce que ça, de une, ça me permet de, comme je le dis à chaque fois, de discuter avec vous
pendant qu'on fait de la chasse, pendant qu'on fait des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à parler de tout et de rien dans le chat, hein, si vous voulez lancer des discussions, il n'y a aucun souci. Je suis tout à fait apte à discuter avec vous de tout et de rien dans la limite du gentil, hein, mais ça me dérange pas de discuter avec vous là. Donc c'est pour ça que je suis tranquillement dans le jeu, en train de marcher, je fais un peu de chasse, un peu de mission secondaire. Sachant que je pense que c'est le personnage qui est le plus loin de la quête. Quête que je n'ai jamais faite. Dommage. Et ouais, j'aime bien faire les quêtes pour discuter avec vous tranquillement. Sachant que j'aime bien le jeu. Et le jeu est gentil. Il n'y a pas de radio, mais il y a une musique extra-digétique du coup, mais qui accompagne le jeu. Et il est plaisant. Déjà parce que je sais pas comment le jeu fait, mais il arrive à le faire, à avoir une render distance incroyable. À avoir cette render distance. Donc, ce qui permet à nous joueurs d'afficher un paysage magnifique le long du jeu, ce qui est plaisant. L'histoire est très prenante et le jeu est incroyable. On n'en parle pas suffisamment quand on parle de Crossbell. On n'en parle pas suffisamment comme quand on parle de GTA, parce que Red Dead est forcément, et ça se comprend, hein, moins apprécié que GTA et moins suivi. Les gens aiment moins. Il y a une grosse communauté, mais les gens aiment moins. Mais sincèrement, il est très abouti. Et si j'étais à 6... Bon, monsieur. Hey, partner. Yeah, hope you ain't having friends for dinner. You hiding something under there? Get that damn mask off. That day to... Si le jeu est autant abouti que... Si GTA 6 est autant abouti que Red Dead 2, il n'y a dans aucun monde le jeu n'est pas déjà GOTY. Et dans aucun monde le jeu n'est pas apprécié à sa valeur comme il l'est. Je sais pas s'il a un GOTY Red Dead 2, mais il le mérite amplement. Et je pense que c'est un jeu qui ne vieillira pas. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des jeux qui graphiquement vieillissent. Quand je dis compliqué, c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est une aberration quand un jeu n'est pas beau graphiquement. Avoir un style graphique, c'est quelque chose, hein. Je dis pas le contraire. Avoir une patte graphique, quelque chose qui fait l'identité du jeu, du monde, du truc, je dis pas, ça existe. Avoir une patte, ça existe. Mais avoir des graphismes pas beaux, c'est aujourd'hui impossible. Voir si ton jeu est pas beau, c'est... You borrow from the O'Driscoll boys, you pay to the O'Driscoll boys. Move along! I made it right with you, I swear. Well then, okay. Everyone, oh sweet Jesus! Piss on your grave! Whoa! What? Give up, son! You're outmatched! You old Driscolls are pathetic.
Le souci, je vous le dis, le souci c'était pas qu'ils étaient en train de... qu'il y avait un type qui était en train de... Never mind. Oh, oh, hey, friend. Remember me? Hey, you look familiar. Hey, Wallace. This here's the kind soul I was telling you about. The one that, got the venom out of your leg? Mm-hmm. Guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but... how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Oh, well... thanks. Yeah, seemed like the least I could do. Hey, with him what can I do? Fitter outside told me I could grab something on his tab. One with the bite in his leg. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Bah, maintenant, j'aimerais bien feuilleter le catalogue, s'il vous plaît. Ah, c'est parce que j'ai ça. Ouais, non, moi je veux bien feuilleter le catalogue, il me propose un truc gratuit, on va pas dire non. Fusil à pompe, non, pas intéressant. Ah, par contre, ouais, le jeu m'autorise pas à prendre un truc trop trop gros non plus. Le jeu est en mode gentil quand même. Parce que ton pistolet est semi-automatique, on va pas te le donner. Hein. Ben, qu'est-ce que je peux prendre? Ah, le pistolet Mauser. Ah non, mais il est bloqué. Allez, carabine, il m'en donne pas. Ouais, bah ça va être un fusil, hein, je pense. Hein. Prendre le fusil Springfield. Fine choice. I'll let him know. Bye now. Ah bah parfait. On a un flingue, du coup. Et un flingue pour pas cher, hein. Pour 0$. Parfois, il faut vraiment être gentil avec les gens dans le jeu, parce que comme ça, ça... tu sais jamais, tu peux avoir des trucs comme ça. C'est pour ça que le jeu, il faut pas hésiter à être gentil dans le jeu. Donc j'en étais où moi? Ah oui, j'étais en train de parler des graphismes. Oui, j'étais en train d'expliquer que aujourd'hui un jeu avec des mauvais graphismes, ça doit plus exister. Ça doit plus exister parce que il y a des presets de jeux sur des moteurs graphiques comme Unreal qui sont déjà beaux graphiquement. Tu peux faire un jeu qui n'est pas beau graphiquement pour le style, pour la symbolique, mais tu peux pas faire, si t'es un triple A, si t'es une grosse boîte comme Ubisoft ou un truc comme ça, tu peux pas, t'as pas le droit. Et quand tu fais des promesses comme Skull Island ou le jeu Gollum, des promesses graphiques, et que tu sors un jeu dégueulasse. Oh, des moutons! On va les étudier. T'as le droit d'étudier les moutons? Merci. Oh! On étudie le chien. Ah, c'est un border. Non, salut. Howdy. Good morning. C'est un border. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui, graphiquement, ne vieilliront pas. Et ne vieilliront jamais. GTA V, même si prennent des coups, hein, ça c'est une certitude, les jeux prennent des coups graphiques dans la gueule qu'on peut pas dire que si
pas dire non mais c'est rien, c'est... Il y a des jeux qui aujourd'hui ont pris un coup, mais qui sont objectivement toujours jolis. C'est... Elle est là la différence. C'est que peut-être que le jeu n'est pas beau. Mais pourquoi vous me faites... Mais... Laisse-moi passer. Oh non, le mouffon il est dans un mauvais état. Oh non. Il faut qu'il soit dans un parfait état. Oh. Déçu. Mais monsieur, mais ça va pas? Bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire une tenue pour le froid. Je vais faire une tenue pour le froid. Ça, ça me permettrait de... Je crois qu'il me faut juste le manteau. Hein. Ah non, des gants peut-être. Procure un peu de chaleur. Allez, c'était ça. Ok, bah on va sauvegarder la tenue. Comme ça. Bon là c'est. Là c'est pas. On va aller dans tenue. Et du coup, on va se quitter là pour ce soir, pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi le live, merci YouTube d'avoir suivi la VOD, YouTube on se quitte tout de suite, le live on fait un au revoir gentiment, au revoir YouTube, à la prochaine, merci.